Burkina a gagné la Côte d'Ivoire 2-1. Les Ivoiriens sont fâchés. Ils insultent l'équipe nationale du Côte d'Ivoire et en même temps, ils profitent pour dénigrer l'équipe nationale du Burkina Faso. J'ai vu la vidéo d'un jeune Ivoirien en maillot de Côte d'Ivoire où il dit ceci. C'est pas moi qui va parler. Je le laisse parler et puis je continue. Écoutons. Burkina, une équipe en voie de disparition comme ça. C'est très une bien. Une équipe, on ne sait même pas s'ils existent encore. C'est que vous gagnez. Je reprends. Burkina, une équipe en voie de disparition. On ne sait même pas s'ils existent encore. C'est eux qui vont venir nous gagner. Frère, je te pose une question. On travaille pour avancer ou bien on travaille pour reculer? Si tu sais qu'on travaille pour avancer, reprends cette petite partie. La Côte d'Ivoire a une équipe nationale qui est en voie de disparition, qui part en couille. Parce que si Drogba posait sa candidature pour la fédération du Burkina, je te le jure, le peuple burkinabé, tel que je le connais, ils n'allaient même pas partir aux élections. La jeunesse allait sortir dans la rue, comme ils aiment prononcer les phrases. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais ici, en Côte d'Ivoire, ce qui appartient à la jeunesse ne donne jamais sa poitrine. Mais quand c'est politique, ils sont prêts à donner leur poitrine, même leur tête, pas pour le pays, pour les dirigeants politiques, parce que nous tous, nous le savons que la Côte d'Ivoire est divisée en quatre parties. Regardez. Bonjour, je suis venu rendre visite à un ami au Burkina. Regardez comment le Burkina est. Voilà une encore. Elle veut dire que la Côte d'Ivoire est plus développée que le Burkina Faso. J'ai même vu la vidéo d'un jeune Ivoirien où il disait que Burkina est rempli de poussière. Ok, tout le monde sait que Côte d'Ivoire est plus développée que le Burkina Faso. Mais est-ce que la mentalité de la jeunesse ivoirienne est plus développée que la mentalité de la jeunesse burkinabé? La première question. Deuxième, montrez-moi une chaîne de télé burkinabé qui fait promotion de la médiocrité. Jamais. Pourtant ici en Côte d'Ivoire, quand tu vois savon dans ton oreille, tu es invité. À mon âge, c'est que tu es invité. Vent où on n'en parle pas. Jusqu'on envoie chien sur un plateau, ça donne quel conseil à la jeunesse? 27 millions. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Côté éducation, entre parenthèses, école. Les élèves burkinabés sont plus intellectuels, sages, matures dans la tête que les élèves ivoiriens. Voilà trois de nos soeurs ivoiriennes qui ont fini avec SVT. Appréciation. Voilà preuve. Fitini est un prophète. Il a prédit ça. École ivoirienne est vraiment triste, mais on l'a négligé. Tu vas jamais voir un élève burkinabé se mettre devant sa caméra, tenir ce genre de propos et publier ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas la faute à nos petites soeurs. Les parents sont coupables. On a compris. Mais disons-nous la vérité. En Côte d'Ivoire, nos chaînes de télé encouragent la médiocrité. Voilà ce qu'elles sont en train de créer. Pourtant, au Burkina, il y a un défi qui est lancé entre le père et le fils, début de la rentrée scolaire. Si tu as eu ton BPC, je t'achète une moto. Si tu as eu ton bac, je t'envoie au Sénégal ou bien aux États-Unis pour tes études. Et ce que vous oubliez, le bac du Burkina est international. Mais le bac de Côte d'Ivoire, c'est pour gérer cabine. Si tu es trop allé loin, c'est pour avoir BTS. Baratesro. Dans ça, vous me parlez de pays développés. Oui, la Côte d'Ivoire est développée, mais la mentalité de la jeunesse ivoirienne est restée en retard. Après, c'est pour venir dire autant de nanas Oufoué, il y avait l'argent. Autant de nanas Bédié, il y avait l'argent. Autant de monsieur Laurent Gbagbo, il y avait l'argent. Mais tant de Ouattara est devenu dur. Mais je vous pose une question. Pendant les trois présidents, les temps-là, vous avez fait quoi avec cet argent-là? Mais venez ici en Côte d'Ivoire. Les grandes constructions appartiennent aux étrangers. Les Burkinabés sont 50% dedans. Allez-y au port. Il y a les Burkinabés qui vont vous parler l'histoire du port de Côte d'Ivoire. Mais vous, jeunesse ivoirienne, je me pose la question. Si un jeune connaît l'histoire de son pays, vous êtes tous restés en retard. Bravo les Burkinabés. C'est vrai, disons-nous la vérité. Trop, c'est trop. Partagez la vidéo massivement. N'oubliez pas, abonnez-vous sur ma page. C'est Seni Kramba. La photo qui est sur la vidéo, c'est un médicament traditionnel de ma grand-mère qui soigne kyste, fibrome, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mal de dos, mal des reins qui descendent dans les pieds, en bas des pieds qui chauffent, on appelle ça mara. Coco, ventre chaud, quand tu prends grossesse, ça tombe. Trompe bouchée, bobo doucement, règles douloureuses, tu n'as jamais vu tes menstrues. Tes menstrues sont bizarres, tu n'as jamais plus grossesse. Problème d'enfant, problème des nerfs, vision floue, cataracte, prostate, hernie, insuffisance rénale. N'oubliez pas de m'appeler au plus 225 07 47 44
07 ans 69. Je répète, ça traite toutes sortes de maladies qui sont dans le corps. Je vous présente aussi le savon noir de la fille Baoulé qui est à côté. Elle s'appelle Njoli. Ce savon est fabriqué par sa propre mère biologique. Elle est dans un petit village de Toumoudi. Quand j'ai vu sa vidéo, je suis parti acheter le savon et j'ai commencé à utiliser. Mes abonnés, ce savon est très, très naturel. Ça nettoie les teints, les taches, les boutons, même les teignes. Aujourd'hui, c'est le savon que je vous conseille. Ce n'est pas une publicité. Quand quelque chose est bon, il faut que je conseille à mes abonnés. Que tu sois clair, que tu sois noir. Il y a l'huile aussi que sa maman même m'a appelée. Elle dit, elle fait les huiles. Donc, je lui ai dit qu'elle n'a qu'à venir les huiles. On va proposer ça à mes abonnés. Elle dit, c'est très bon et c'est accompagné par le savon. Mais regardez le savon seul. Regardez mon teint. Donc, son numéro, c'est le plus 225. 07 58 05 39 66. Pour tous ceux qui ont besoin de ce savon, contactez-la directement.